Et bonsoir tout le monde, mais aussi bonsoir YouTube, car on va inaugurer en la reprise des vidéos YouTube sur, sur la chaîne YouTube, les VOD. Hop, j'apparais là. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler, quelques secondes. Donc YouTube, ça doit faire peut-être maintenant 2 ans que j'ai pas posté de vidéo. Mais sachez que je continue à faire ce que je faisais en live, quoi. Voilà. J'étais toujours en train de streamer. Et ces derniers temps, j'ai une très bonne nouvelle qui est arrivée à mes oreilles. La traduction de Grandia 2 arrive très prochainement sur la version apparemment Dreamcast et PC, d'après ce que j'ai pu voir. Donc on fera sûrement la version Dreamcast. Je pense que ce sera la meilleure version. On verra à ce moment-là. Mais salut Médric. Mais voilà, j'ai donc comme projet de découvrir Grandia 2 en live, sûrement aussi en vidéo YouTube. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivé un petit peu pour reprendre le let's play de Grandia 1. Mais j'avais aussi envie de reprendre des simples vidéos pour YouTube, hein, des petites rediffs de live sur des jeux qui racontent des choses et pas juste une VOD sur Overwatch à mon niveau, par exemple, ce n'est pas très intéressant. Donc voilà, on reprend où on s'était arrêté il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Donc la reprise pour moi va être un peu difficile, mais je vais m'y faire, ça va aller. Donc la webcam elle est bien mise, tout va bien. Donc on s'est arrêté vraiment au changement de CD, hein, au tout début du CD 2, on était sur le bateau avec Fina. Et puis voilà. Ah oui, petite précision, hein, on joue toujours avec la version undub, donc avec les voix japonaises. Donc voilà. Et je vais allumer ma lumière aussi. Hop, j'ai oublié de le faire. Il va faire nuit pendant le live, donc. Hop, voilà. Ah, n'hésitez pas à me le dire hein, s'il y a des problèmes de son ou quoi. Ah, il faut que je lise. Nous avons vraiment fait de longs voyages, Justin. Justin. Incroyable! Un peu plus et nous serons à Allen pour résoudre l'énigme d'Angelou. Et donc on a eu Médric qui. Ah non, SimObject qui s'est sub. Merci beaucoup Sim. Merci, merci beaucoup. Donc ça on l'a eu. Oh Justin, qu'est-ce que c'est, Justin? Hein? Quoi, Fina? Tu as dit quelque chose? Oui, mais peu importe. Fantastique. Attends-moi, Liété. Je serai bientôt de retour. Ok. Bon. Alors, je sais plus du tout. On avait quoi comme objectif? Quelle magie on avait? Donc Justin a apparemment tous les types de magie. Fina aussi. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Et effectivement, Sim. Après, moi, je suis toujours là. Hein. Mais oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, effectivement. Mais après, je crois que toi, t'étais occupé de ton côté ces derniers temps. On va faire des combats là, histoire de se refamiliariser. Alors, Géraldine, on était rendu au début du CD2, donc en étant en bateau avec Justin et Fina, on a rencontré des sirènes qui ont voulu nous tuer et on leur a botté le cul et on est arrivé sur cette île après ça. C'est bizarre hein, de jouer avec les voix Jap. Allez. Ok, ça va être quoi cet équipement? Il a l'air sympa ce casque. Ça avait bizarre de revoir ce jeu. Ouais, bah ouais. Hein. Désolé les gars d'avoir mis presque 1 an et demi, 2 ans à retourner sur le jeu. Mais j'avais plus envie d'y jouer en fait, tout simplement. Donc je me suis pas forcé.
Mais là, j'ai envie en ce moment, donc. Ok, le casque qu'on vient de récupérer, visiblement, ce sera pour un autre perso. Ah, ça fait plus d'un an. Là, je me promène pour voir s'il y a, si on trouve pas d'œuf mana. Oh, les petits combats. Si on peut en éviter. Faire des bonnes séances de farm après. Mais je crois qu'en plus, on m'avait dit à l'époque qu'il y avait un œuf mana à récupérer ici. En tout cas, j'ai hâte de faire Grandia 2 quand la trad sera disponible, parce que ça va être une totale découverte et c'est une traduction à l'époque. À l'époque, il y avait une traduction qui était prévue sur la version PC du jeu, donc pas la version remasterisée qui est sortie l'année dernière sur Steam, je crois. Mais une version qui était sortie en version boîte avec des CD et tout ça. Mais le jeu était qu'en anglais et donc des fans avaient commencé une traduction qui n'a jamais été terminée. Parce que je pense qu'ils ont eu quelques problèmes internes pour la traduction, etc. Je suppose. Parce qu'ils avaient traduit les trois premiers chapitres, il me semble. Et donc là, il y a la version Dreamcast qui apparemment avance très très bien. Ils ont fait le plus gros, hein. Vraisemblablement, il leur reste qu'à corriger des petits bugs. Comment dire, de texte qui ne rentre pas dans les bonnes cases. Donc, c'est vraiment pas grand-chose en termes de travail par rapport à tout ce qui a déjà été fait. Mais il reste encore un peu de travail. Donc, voilà, j'espère que ça va sortir et qu'on va pouvoir se faire ça en live. Parce que là, du coup, ça va être vraiment une découverte pour moi. Et bah, comme je vous ai dit, voilà, j'attends cette traduction, moi, depuis l'époque. Où Grandia 2 était sorti sur PC et la trad ne s'est jamais faite donc la hype en tout cas pour moi est présente. Bon, par contre ce serait bien d'avancer dans le jeu et donc voilà, en reprise du coup des vidéos YouTube, donc ça aussi il va falloir reprendre l'habitude, etc. Mais bon, au moins, on aura terminé l'histoire de Justin et Fina quand Grandia 2 sera disponible, en tout cas j'espère. Allez. On augmente pas mal nos magies là, finalement. Ça monte plutôt vite. Ah, Fina qui se téléporte, j'avais oublié ça. Sûrement grâce à l'équipement. Putain, les magies. Moi j'aime bien quand ça monte de niveau, hein. Y a pas de souci. Non, j'avais une magie de glace qui touchait tout le monde. C'est peut-être pas avec lui. Ah, c'est possible, Médric, que j'ai farmé, je me souviens plus. Franchement, ça date d'il y a si longtemps. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir que je revienne sur le jeu là. Faudrait que j'affiche le chat sur les prochains streams. Ouais, sur les prochains streams pour la VOD YouTube, je vais afficher le chat quelque part. Peut-être au-dessus de moi là. Merde. Ah. Oh, il y avait longtemps. Effectivement, il y avait longtemps. Comment allez-vous, couple intrépide? Oh, c'est toi? Tu peux me rappeler ton nom? Comment ça? Avez-vous oublié? Tu ne serais pas le Mogei Guido? Nous nous sommes rencontrés à Dight. Hey, comment sais-tu pour le couple intrépide? Nous ne nous sommes pas vus à Gumbo.
Et pourquoi ne venez-vous pas dans ma tente échanger des histoires en mangeant des carottes? On l'a rencontré, Médric, dans la ville où Sue était malade. Dans la ville de Gadwin. Ou Ga. Je sais plus comment il s'appelait l'autre là. Le gros chevalier. Des carottes. Allez, entrez! Et donc, hein, je suis toujours sur ma PS3 pour jouer, hein, en version avec le CD original du jeu, quoi. Oui, c'était vraiment beau. Enfin, en version PlayStation, pas en version PSN. Voilà. C'était vraiment beau. Un groupe d'esprits volait autour de nous. Ils scintillaient et étincelaient comme des joyaux. Vraiment? Vous avez vu autant d'esprits? Détenir la pierre d'esprit a une grande signification. Signification de la pierre d'esprit? Je ne sais rien de tout cela. Guido, qui es-tu à la fin? Eh bien, je sais peu de choses, mais je te les apprendrai par respect pour les brassards des héros. Que signifie la pierre d'esprit? La pierre d'esprit est la preuve que les esprits acceptent quelqu'un. Tu as la preuve, donc un rôle à jouer. Quel est ce rôle? C'est à toi de trouver, Justin. Tu vas continuer ton voyage. Suis la voie de la pierre d'esprit partout où elle te mène. Partout. Si tu suis la bonne route, tu arriveras à destination. Tu découvriras ton véritable rôle. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il autre chose que tu veux entendre? Où est Alent? Où se trouve Alent? Je ne sais vraiment pas, mais c'est plus qu'évident. Celui qui est qualifié pour aller à Alent a la bénédiction des esprits. Aussi, tu dois toujours être toi-même. C'est la seule façon d'accéder à Alent. Être moi-même? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il autre chose que tu veux entendre? Où sont les Mogai? Tout notre peuple voyage pour le trouver, tout comme toi qui voyages à la recherche d'Alent. Qu'est-ce que vous cherchez? Un moyen d'arranger les choses car le monde entier va périr. Waouh, ça doit être dur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le monde va être détruit? Qu'est-ce que c'est, Guido? Le monde entier va être détruit. Et mon vrai rôle? De quoi s'agit-il? Justin, peux-tu le confirmer avec tes propres yeux? Je pensais que tu étais un aventurier. C'est bon. Continue à voyager et la bénédiction des esprits sera avec toi. Alors, promets-le-moi, Justin, n'abandonne pas en chemin. D'accord, je le promets, Guido. Un aventurier n'abandonne jamais. Un aventurier n'abandonne jamais. Rappelle-toi ces bonnes paroles. Justin, non, il est tard. Restons ici aujourd'hui. Ah, j'ai vraiment hâte de faire grandir à deux. J'ai que ça en tête là. Vous attendrez Cafou quand vous aurez quitté la forêt. À Cafou, les gens habitent de drôles de maisons. Là-haut, c'est la ville où je vis, Zil Paddon. Venez me voir. Merci pour tout, Guido. Mangeons des carottes encore une fois. Ah, mais je retournerai peut-être bien en arrière, moi. Une minute. Attends. Tu n'oublies pas quelque chose? J'ai mes armes, mon brassard. Je n'ai rien oublié. Que dis-tu? L'argent! L'argent! Je vous ai hébergé hier soir. Quoi? Tu ne nous as pas hébergé gratuitement? Toute peine mérite salaire. N'est-ce pas bien connu? Songez, cela ira. Wow, tu es un bon homme d'affaires, Guido. Merci, nous allons rester ici un moment. Si vous êtes fatigué, revenez. Tu as gagné. Bien, Guido, nous nous reverrons quelque part. Okay. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a un 9 mana dans le coin, mais au pire des cas, je pense qu'on pourra revenir ici. Je me souviens plus. Après, si quelqu'un sur le chat a le courage d'aller checker si dans la forêt. Merde, j'aurais pas dû. J'ai trop avancé. Dans la forêt vierge, s'il y a un 9 mana, je suis preneur.
Et venez vous battre. D'ailleurs, on remerciera jamais assez hein, Etsuna qui a fait la version sur laquelle on joue là avec les voix japonaises qui fonctionne vraiment très bien. La forêt vierge, c'est tout, la forêt vierge pour l'œuf mana, Médric. Y a pas d'autres mots. Hey, salut Sokiki. Comment on va? Donc je vais me répéter parce que là Sokiki qui est là. Il y a une traduction qui va sortir dans pas longtemps de Grandia 2 qui est enfin terminée. Donc du coup c'est pour ça que je me remets à refaire Grandia 1, ça m'a motivé. Donc du coup je vais découvrir en live Grandia 2. Allez, ça brûle, ça dégage. Ouais, du coup je sais plus trop où j'étais rendu dans l'équipement de mes personnages, les magies qu'on avait décidé d'exploiter, etc. Je sais plus trop. Donc on va jouer vraiment en mode casu. Et je pense que Médric m'a dit que j'avais farmé pendant un moment, donc je pense qu'on va peut-être pas avoir besoin d'XP. Et maintenant que Médric, c'est vrai que maintenant il me l'a fait rappeler, je crois que j'avais farmé pour battre les sirènes. Il me semble. Mais ouais, l'œuf mana, je sais pas dans quelle zone il se trouve. Donc, c'est vrai que ce serait dommage de le rater. Oh, enculé, d'accord. Oui. Ah, ça fait un moment que tu n'es pas venu là, Sukiki, sur les lives. Mais bon, il n'y a pas encore le fond vert. Le fond vert, pour le moment, je le mets pas. Il faut que je trouve un système pour l'accrocher. Parce que j'ai pas envie de le mettre. Sur le mur. Ok, Médric. Ah, mais ça va faire tout ramer. Ouais. Ah bordel. Je veux juste savoir où est-ce que c'est. Désolé hein, les gens qui regardent la VOD là. On me demande de cliquer sur des liens pour voir où sont les œufs mana. Mais là ça m'aide pas du tout parce que mon PC il veut pas. Ça veut pas charger en plus la page. Ah voilà, attendez. Hop, je vais faire ça vite fait. C'est pratique d'avoir des écrans l'un à côté de l'autre maintenant. Quand mon écran principal qui affiche le jeu normalement est pris, hop, je regarde sur l'écran où il y a mes OBS. Alors, forêt pétrifiée, non. Mais il n'y en a pas d'œuf ici alors. C'est clair que ça change la vie, hein, ce Kiki, d'avoir un vrai setup. Forêt pétrifiée, non, c'est pas ça. Hein. Non, je vois pas d'œuf là. Hein. Apparemment, il y en a 18. Non. Ah,
Ah merde, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Ouais, le chat Facebook, c'est pas grave. Tant pis pour. Sur Facebook, je vois pas vos messages au cas où. Quoi qu'attends. Ouais. Allez, tant pis pour Facebook. Ah, et puis maintenant, pareil. Ça va peut-être pas trop intéresser ceux qui me suivent sur YouTube, mais. Ouais, le setup a changé. Je garde le même PC, mais c'est juste que maintenant j'ai un SLI de GTX 1080. Et donc, ça me permet de streamer avec un peu plus de confort. Mais bon, j'ai quand même toujours mon vieux processeur qui fait le taf, mais voilà, qui vieillit de jour en jour. Fina, faut pas l'énerver. Comment on se soigne du poison? Il me semble que j'ai une magie pour ça. T'as d'ailleurs petite question les gens. Vous préférez qu'on joue avec ou sans le lissage de la console? Hop. Quand même un petit changement. Je sais pas si vous voyez ça. Ça ajoute un effet de flou en fait sur les textures pour que ça paraisse plus lisse. Voilà. Un petit soin aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Du coup, oh, il nous emmerde, lui. Apparemment, il n'y a pas d'œuf ici, hein. Vous me le confirmez ou pas, le chat? Et il me fait chier ce truc. Pas passer là non plus. Ok. Du fric, on prend. Ouais, on va en bouffer du combat, hein. Est-ce que je rush? Je crois qu'il y a pas de boss dans cette zone, donc je pense que je peux bourrer. On va essayer d'améliorer nos magies les moins comment dire? Celle avec le moins d'étoiles. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Allez. Nice, le niveau d'air il monte. Allez, Justin. Ça fait bizarre en Jap, hein, quand même. Ah bon, on va s'habituer, hein, c'est comme pour tout. D'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, on avait testé la version undub. Je crois que les voix Jap dans les combats n'y étaient pas. Et Itsuna donc a fait une mise à jour de sa version dub et maintenant il y a les voix Jap pendant les combats. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça dans les premières versions. Donc il a réussi à vraiment faire en sorte que tout soit en japonais. Même les cinématiques avec des sous-titres français qu'il a fait lui-même, il me semble d'ailleurs, hein, pour les sous-titres.
Mais bon, il y a très peu de cinématiques dans ce jeu qui sont doublées, donc. Ça nous évitera la VF catastrophique du jeu. C'est quoi ça? Charme haut. Ok. Ah, nique ta mère. L'œuf mana, où es-tu? Petite potion de raise, on prend. Je pense pas retourner sur mes pas là, hein, parce que on a ramassé un objet. Allez. Bah, dans les Final Fantasy, c'est pas trop le cas, Médric, t'es rarement perdu. Mais là, vu que t'es souvent en mode bah t'es là, démerde-toi. Voilà, vous préférez avec le petit effet de flou? Ou vous préférez comme ça? Ah, ça change là. Ça pique un peu plus les yeux quand même. Mais c'est plus fidèle à ce qu'on avait à la base. Le jour où je vais refaire des lives sur YouTube, ma connexion commence à bugger. Ouais, donc là je suis bien en live, tout est revenu. Donc je suis désolé, hein, j'avais pas vu que ça avait coupé. Du coup, je vais vous résumer ce qui s'est passé. J'ai rencontré un enfant qui nous a traités de rats. Et qui a dit qu'il allait prévenir un personnage qui s'appelle Rap. Et il s'est évaporé avec un espèce de pouvoir mystique de la forêt. Et voilà. On l'avait vu le piège. Je suis toujours en live là. Y a pas eu de coupure. Ok. Ah oui, Tsuna? Bah écoute, personne ne m'a rien dit depuis tout à l'heure. Donc on va rester comme ça, je corrigerai le tir dans la prochaine vidéo. Tant pis. Allez, petit point de sauvegarde. J'ai vraiment pas de chance, hein. Le jour où je décide de reprendre des lives pour la chaîne YouTube, j'ai ce problème de connexion internet là qui vient d'arriver.
Après, ça se trouve, c'est juste un redémarrage de la box pour faire une mise à jour ou autre, hein, je sais pas, mais à surveiller. Nikki, je vais te sortir de là. Hey, nous allons t'aider. Et nous, à nous trois, nous allons mettre ce monstre en bouillie. Quoi? Vous? Vous vous moquez de moi? Vous et moi, nous sommes ennemis. Espèce d'idiot! Est-ce que c'est le moment de dire ça? Si vous ne vous dépêchez pas tous les deux, ce pauvre enfant. C'est tout ou rien maintenant. Comment vas-tu, Itsuna, sinon? T'as hâte comme moi de voir le patch français de Grandia 2 sortir, je suppose. Fatigué, je vais pas juste faire coucou. Pas de soucis, t'inquiète. D'ailleurs, Tsuna a aussi fait la version Jap. Il l'a traduit en français de Nier. Donc peut-être qu'on s'y mettra aussi un de ces jours. On va bien voir. Bon, il aime pas le feu, lui, hein, normal, c'est un arbre. Alors, rap, ouais, tu as du feu de base déjà. Ouais, on va essayer de l'empêcher d'attaquer, hein, mais. Le poison. Putain, il fait mal, l'enculé. Est-ce que ça sent le game over? On va soigner. Faudrait que Final attaque au cac ou rap pour séparer les deux là, pour qu'ils arrêtent de se prendre des coups groupés. Allez. Ah mais non, mais c'est vrai, il fait des attaques à distance, putain. Ça sent pas bon. Donc là, tu me touches là? Ah non, tu rates. Très bien. Ouais, il faut soigner tout le monde. Hein. Comment je faisais avant? Un ami? Ouais, allez. Un peu de soin à Fina aussi. Ça marche, Itsuna, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Faut qu'on fasse des dégâts là. On va se faire niquer sinon. Allez, on y croit. Salut Maëlita, comment on va? Allez, il rate encore, c'est très bien.
Peut-être demander à Rab de soigner Justin avec un objet, peut-être. Enfin, Justin. Moi, très très bien, Melita. Très très bien. Ah, juste un peu peur que la connexion lâche, mais à part ça, tout va bien. Ouais. Bon. Du feu, toujours du feu. Allez, c'est bien, on le contre. On annule son attaque en plus de ça. Nickel. Nice. Il reste qu'une partie à attaquer. Enfin, à détruire. Tu connais Harry Potter? Tu connais Dragon Ball Z, Super Mario et Sonic? Tu connais Zelda, c'est ça. Tu connais la PlayStation? Tu connais Nintendo? Allez. Bon, ça se passe bien là. Mais je crois que c'est surtout grâce à Fina qui a fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors, tu vas nous faire quoi, toi? Part sur ça, hein. C'est rapide et un petit lance-flamme. Il est assez tanky ce boss, hein, finalement. Allez, Fina pour le coup final. Je pense que je vais faire que 1 heure de live hein, ce soir. J'aurais aimé faire plus, mais là avec la connexion ça me met une épée de Damoclès au-dessus de la tête là. J'aime pas jouer dans des conditions comme celle-là, donc je vais appeler Orange, je veux bien voir. Oh, ça monte de niveau, c'est cool. Tu n'y étais pas du tout avec ces types dans la tour. Et tu m'as aidé à m'occuper de ces gars. J'ai pas lu. Tout le monde fait des erreurs, non? À charge de revanche. Nikki, remercie-les aussi. Oui. Merci de m'avoir aidé. Je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai fait une erreur. Mon nom est Nikki. Je suis l'apprenti numéro 1 de rap. Je suis Justin. Et voici Fina. Nous sommes en voyage d'aventure. Enchanté de faire votre connaissance, rap et Nikki. Bien, Nikki. Tu repars en premier. Et tu préviens tout le monde au village, j'amènerai les invités. Bien, monsieur Rapp. À propos Rapp, tu as parlé de rats dans la tour. De qui s'agit-il? Oh, ça, nous pouvons demander des détails au grand-père. Bon, allons-y, mon village de Cafou est juste là-bas. Ok. Bah écoutez, moi je vais arrêter là. Je pense. Oui, le perso est dégueulasse, mais de qui? Ça m'avait fait beaucoup rire. Je vais aller au village et on va arrêter là. Parce que là, avec le live qui bug, ça me fait un peu peur. Hein. Donc, faut que je voie avec Orange si c'était un bug ou une mise à jour.
Tac. J'ai vraiment la poisse. Donc Rapp, il va falloir lui apprendre les autres magies. C'est un personnage qu'on gardera jusqu'à la fin du jeu. Allez, dégomme tout. On en profite hein, pour essayer de booster les magies. Tant qu'à faire, on prend, c'est gratuit. Tout cas, je suis un peu. Ça me saoule hein, de démarrer sur un pétard mouillé comme ça, les lives là. Bon, est-ce que je prends le risque de continuer 1 heure de plus quand même? Parce que moi, j'ai bien envie de continuer quoi. Ouais, je pense qu'on va essayer de continuer 1 heure de plus. On va essayer. On verra bien. Si ça tient pas, si ça coupe, je relancerai pas et je sauvegarderai pas. Comme ça, on reprendra où ça a coupé, quoi. On va faire ça. Merde. Ils sont tombés du ciel, ceux-là. Finalement, c'est un peu comme Dragon Ball Heroes, hein. Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, je sais pas pourquoi je me suis fait ce rapprochement dans la tête en me disant, ouais, tu positionnes tes bonhommes. Tu leur dis quoi faire. Elle n'a rien à voir. J'aime beaucoup la voix jap de rap. Je crois que j'ai déjà entendu quelque part en plus. Allez, on booste toutes les magies qu'on peut, on en profite. Donc ça. Les sacs à PV aussi, hein. Allez, bon petit rap. Que là, ouais, on va encore récupérer. J'ai deux personnages en tête. Après, on va peut-être en récupérer plus, hein, mais je me souviens de deux. On verra bien. Bon. Bah on a monté pas mal de magie là. C'est cool, c'est cool.
Ouais, non, non. Wow. Merde, hein. J'avais oublié que les combats c'était un peu chiant. Ah là là. Ouais, non. On va essayer d'aller vite. Bah, c'est surtout que je veux avancer, quoi. Donc ouais, Médric, c'est toujours un peu chiant. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si j'avais du meilleur équipement pour rap. On va regarder. Salut Argility. Comment va? Même que je fasse gaffe, on va soigner tout le monde avec Fina. En plus, j'en touche qu'un seul. Je pensais toucher les deux. Au moins, avec ces monstres, hein, on sait qu'on va pouvoir, farm les magies. Ils sont vraiment pas mal résistants. En tout cas, la magie de feu. Les petits missiles sur celui-là. Ah, on a Fioras, ouais. Bloque les coups d'un ennemi. Ok. Là là là. Ça me stresse cette connexion. En tout cas, ouais, le CD2, il me semble qu'il est beaucoup plus court que le CD1. Mais je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie ça aussi. Fait tellement longtemps qu'on n'y a pas touché au jeu. Je sais plus. Est-ce que Fina va prendre son coup ou pas? On a pu contrer. Allez, vas-y. Même la voix de Fina en Jap, ça me dit quelque chose. On a tous nos PV. Il va falloir faire gaffe quand même à nos PM. Donc ouais, essayons d'aller au village de Rap. Qui est apparemment vers cette direction. Ok. On va en bouffer du combat, c'est sûr. C'est obligatoire.
Bon, par contre, là, on va pas s'amuser à farmer parce qu'ils sont quand même 4 ennemis. Ça a piqué quand ils vont attaquer. Allez, allez Justin. Allez, tac. Ils se soignent, hein, ces enfoirés. Et donc ouais, Tsuna tout à l'heure me disait qu'on n'entendait pas le son du jeu. Le son du jeu était très bas. Je verrai ça pour le prochain live. Désolé, vous n'avez pas les musiques du jeu pour le moment, si c'est vraiment le cas. Bah, le son est bas. Pourquoi on me le dit pas directement? Pourquoi? Un jour je comprendrai les gens. Bah, si le son est pas comme d'habitude, c'est qu'il y a un problème. C'est pas grave. Ça va, les musiques du jeu, vous allez les entendre 50 000 fois, c'est pas très grave. Non, parce qu'en fait, quand le volume change d'une console à l'autre, et donc mes réglages audio pour la Switch ne sont pas les mêmes que pour la PlayStation 3. Allez. Bon, on en profite un petit peu là encore une fois. Hein. Je gratte pour améliorer les magies de feu de nos persos. Vrai que je pense aussi à changer les armes, genre mettre une hache à Justin, etc. Pour apprendre des nouvelles capacités. Tout cas, ils aiment pas la glace, hein. Bon. Bon, en tout cas, on avance. Je vais voir si j'ai pas des objets pour récupérer des MP. Même final a des trucs là, c'est quoi ça?
Elle a des une malédiction, je sais pas trop quoi. Voilà. J'aimerais bien éviter le combat. Et c'est bon, on passe. Ni vu ni connu. Merde. Ah, c'est un cul-de-sac. Oh, putain, fais chier. Fais chier, fais chier. On va être bientôt à court de MP, hein. Ça va être chaud. On va encore faire rafale. En tout cas, la connexion semble être revenue stable. Ouais, toujours rafale, hein, vas-y. Ouais, ça dégage. Où est-ce que va être cet œuf mana? S'il y en a réellement un dans le coin. Je sais que le village est pas du tout par là. On va aller au village. Parce que là, ça va devenir dangereux à force de traîner dans ce coin. Allez, défonce-le. Et Fina, tu vas toucher les deux, histoire de les ralentir. Ah putain, on n'en touche qu'un seul. Bon, je pense que Justin va le terminer à l'épée. Nice. Allez, on va au village. On voit ce qui se passe, on sauvegarde. Ce sera déjà bien.
du coup c'est ici. Ah putain de merde. J'en ai marre de ces ennemis. Putain, c'est pas possible. Allez. On en touche 3. J'en demandais pas tant. On refait la même? Allez. N'en touche que 2 cette fois-ci. Ils ont poulet, ils ont pas l'air de vouloir attaquer. Hein. Vraiment, ils sont dans la galère. Ouais, c'est ça, ils tournent autour. Ouais. Tant mieux. Hein. Fina a pas de quoi bien soigner. Bon. J'espère que c'était le dernier monstre avant la ville. Niveau magie, ça commence à être vraiment compliqué. C'est short. Très très short. On va pas commencer nos lives sans grandir par un fail. Cet arbre d'enculé. Arbre à la con. Ok, Fina, à toi de soigner. Bon, est-ce que c'est le village? Oui. On est sauvé. Attends, Rap, qui sont ces gens? Hein? Nikki ne t'a pas dit que nous avions des quelques invités? Oui, bien sûr, mais il ne me semble pas avoir entendu dire qu'ils avaient des petites oreilles. Tu n'aurais pas oublié que c'est contraire à la loi du village de laisser entrer des étrangers? Après tout, tu es le petit-fils de l'ancien, tu dois le savoir. Arrêtez de râler, ces types sont mes invités. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Allez, calme-toi, Rap. Comprends parfaitement. Ok, je te fais confiance. Nous considérons tes invités comme nos hôtes. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Si tu y tiens tellement. Exactement. En attendant, allons voir ce que mon grand-père a à dire. On ira parler au grand-père plus tard. L'auberge. Voilà. Je vais sauvegarder là et je vais arrêter là pour. Pour aujourd'hui, parce que je sais pas si ça va bugger ou non, quoi. C'est un peu chiant. Enregistré. Donc je vais arrêter là. Mais demain, 21h,
Sauf s'il y a problème de connexion, mais normalement. Là, je vais appeler Orange et je vais bien voir. Je vous fais des bisous, les gens. C'était vraiment cool. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir sur Grandia. Et puis voilà. À demain, 21h. Ce sera 21h les lives sur Grandia. Et puis voilà, des bisous. Ciao, ciao. Bye bye.